Salut YouTube, bienvenue sur Fantastic 3, j'ai tué Sullivan. C'était très très dur pour tuer Sullivan, n'est-ce pas? Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu, hein? Hein? Tu l'as vu, hein? Hein? Tu l'as vu. Allez, je vais aller faire la zone du géant, les catacombes du mal. Et après je remonterai. Ça a mis un lien, il rêve. Bah... ça ne rêve pas, étant donné que j'ai activé le... j'ai autorisé les liens. Oh! Il va être c'est écrit un follow pour le partenariat. Je sais plus où j'avais vu ça, c'était quelque part sur Twitch, mais c'était une catégorie obscure. En fait le truc c'est que tu peux pas demander, en fait tu peux plus demander le partnership. C'est eux de qui, dès que tu passes en fait le palier, c'est eux qui te contactent. C'est plus comme avant où tu pouvais faire la demande. Pareil pour l'affiliation. C'est ça le truc. Ils ont changé les règles, un peu comme YouTube. Ils changent les règles, voilà, ils mettent 1000 abonnés. Du coup, j'ai plus la... voilà, bref. J'ai plus la fucking monétisation. Voilà, et à l'autre, là... oh, il est démoniaque, lui. I need it! Allez, je run, j'ai déjà tué ces mobs une fois. T'attaques avec un râteau, je laisse pas faire, tu vaux mieux que ça. Ah non mais moi il faut pas grand chose pour me tuer. Hein. Des fois il faut même rien en fait pour me tuer, il suffit d'un trou. Attends. Le jour de la fois que je ne sais pas, je tue rempli le formulaire pour... sérieux? Mais tu l'as trouvé où? Moi la dernière fois que j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Bon, c'est vrai, on m'appelle Aveugleman, mais quand même. Mais, enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas si je fais la demande, s'ils accepteraient en vrai. Hein. Partner, ça y est. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah... merci pour le lien du coup, j'irai checker ça. Je sais pas si... ça fonctionnerait. Ah, ta zone préférée. Comme tu vois, c'est extrêmement obscur. Oui, indeed. Slash partner, slash sign up. Alors, pour la petite anecdote, ici, c'est la zone préférée de Vise. C'est la zone qu'il a, il adore, cette zone, et plus particulièrement les mobs de cette zone, notamment elle. Il adore ces mobs. Je vais pas accepter de redemander. Oui, non, mais clairement. Si le formulaire il est là, je vais clairement faire la demande. Hein. Ça, c'est une certitude. La zone ne pose pas de soucis. Non, mais voyez, je sais, j'ai précisé. C'est les mobs, c'est les mobs. Da mobs. Mais. Mais vous allez me foutre la paix maintenant? Non mais oh oh, toi tu vas te calmer direct.
Mais du coup, Scope Cortec, le reshade pour ce jeu, ça apporte quoi concrètement au niveau graphique? Parce que moi, graphiquement, le jeu, j'ai toujours trouvé super beau. Hein. Après, je ne doute pas que reshade, ça améliore le truc. Reshade, c'est connu. Mais ça apporte quoi? C'est ça que je suis curieux de savoir. Tout. Ok, ça a le mérite d'être clair. Sortir la torche. Ah! Si c'est juste ça, enfin, juste ça. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Bizarrement, moi, pas. Corglin. Moi, ça m'a pas du tout manqué. Pour une seule raison, c'est que. Ah d'accord. Non mais les geôlières, c'est pas la première fois que je meurs sur elles, hein, je veux dire, soyons réalistes. Toi, tu vas prendre... Voilà. Par contre, il y a clairement un endroit où ça doit être flippant avec un richette qui fait que par exemple cette zone là, ça doit être en torche. Et du coup, t'arrives là, t'entends des bruits, tu fais oh mon dieu, mais qu'est-ce qui fait des bruits? Et du coup, t'es là en mode. Ah non, c'est pas celui-là. Écoute, t'es en mode. Ah! Meurs! Et non. Voilà. Clé de l'évadé. Levi-day. Satan dans le meurt. Quoi? Bébé possédé. Ça pour le coup c'est vraiment des bébés possédés. Sur un jeu propre, net, par endroit, change de ton, mais le contraste en lumière. Ah, d'accord, ouais. Oui, bah oui, du coup, vu le nom, Reshade, ça paraît logique.
Mais aussi plus convaincant, c'est sur Nier Automata. Bah, je pense pour Nier Automata, quand je m'y remettrai vraiment, je vais tester parce que c'est vrai que graphiquement, le jeu, j'ai beau le trouver beau, il manque un truc. Je trouve. Ah, une Titanite Scale. Plus qu'une et je pourrais payer mon âme en plus 3. Il y en a un qui sait pourquoi j'ai cette musique en tête à cet endroit. Pas aussi beau qu'il aurait pu être. Un cœur et shader, il est pété. Ouais, ça j'imagine bien. Machine. Ah oui, d'accord. Ah. Mettez-moi votre tête là, je veux votre tête. Plein de trucs qui bougent en physique et tout, c'est beau. Ah, coup de pied, IX. Dans la bouche, à la relever, en whiff, regarde. Fragment des sus. Ça m'a surpris ce point. Plutôt que tu peaufines tout ça dans les paramètres. Tous là. Bon, y a pas genre quelqu'un qui veut me looter un truc là? C'est les couleurs pour moi, mais c'est sûr. Quoi, ça sert à remastered quand tu peux faire ça? Alors, dans le cas de Dark Souls Corp, un remastered ça sert à avoir des serveurs dédiés au PvP. Ah, d'accord. Et ça, c'est bien. Moi, comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, je me fous un petit peu du côté graphique du jeu. Pour le remastered, c'est clairement le PvP. J'ai fait de la merde. Plus. C'est moi qui vais le stomp là, ce foutu géant. Toi, je m'en fous, je te calcule même pas. Clay de Leva Day, clay de Leva Day. Ah, ok. Ah, ok. Ah, d'accord. C'était pas cette mimique que je t'avais fait tout maintenant.
Non. Fils des terres et carcasse est compté comme une insulte à Destro. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai un peu de mal à vous suivre des fois sur le chat. Hein. Bonne nuit Adams. Bonne soirée, bonne nuit. Moi. D'arrêter l'écho avec tes mâchoires, sacrée technique. Ouais, t'as vu un peu. Ton père, le chien moine, est une insulte valable. C'est comment on appelle ça, Aviateur Lou? C'est la. C'est la technique ancestrale de l'arrêt de coup du daron. 3 secondes 15, 3 secondes 15, 3 secondes 15. Oh please don't let me die. Oh. 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 Ça déstabilise le moral de l'ennemi. Ouais. Oh, 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 son père la chaîne one. Oh, son père la chaîne one. Oh. Intercepté. Non, 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 non. C'est bon. Allez, maintenant on peut aller se faire Michael Jackson là-bas. Ah, c'est vrai que lui, il fait... Oh. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas la meilleure chance, c'est pour ça que tu paniques? Comment ça? Qu'est-ce que ça va avec l'armure d'Einstein? Qu'est-ce que ça va avec l'armure d'Einstein? Oui, je sais, c'est sûrement obvious, hein. Mais voilà quoi. Enfin, obvious pour une inside joke, évidemment. Ah, la malédiction va quoi. Voilà, comme vous voyez, c'était une merveilleuse bouillie de poils de rat. Non, c'est pas obvious, génie. Ah. Du coup, c'est normal que je comprenne toujours pas. c'était où déjà qu'on avait la... Les emotes. Emotes. Ah. Là. Ouais, tu paniques, t'es pas la meilleure enchaîne pour ça. Oh. Et moi, j'avais risqué d'essayer de me trash talker quand je fuis le gaz maudit des basites avant d'être instant maudit. Ha ha ha!
Disons que... Je me rappelle plus, colonel. Désolé. Je me rappelle plus. Le bébé possédé. Que des bébés possédés. Oh! Putain, mais pourquoi ils me dégueulent tous dessus là? Oh, dégueulasse. Poisson rouge man. Non mais j'avoue, j'ai des mémoires de... Putain, mais il... Sa tête me suit. Il me regarde. Mais il est en mode... Oh, je vais te tuer! Oh, toi, tu vas mourir! Et sinon, ça pique les yeux, là. Je fuis, go me coucher. Ok, Scorptech. Y'a pas de soucis. Bonne nuit. Bon nuitée. J'avais lu quelque part que dans un des prototypes de Dark Souls, le premier, il comptait faire des bons feux mimiques. Heureusement qu'ils l'ont pas fait au final. Parce que, oh mon dieu, s'ils avaient fait ça. Dans des zones démoniaques, t'arrives, t'es bien, t'as trouvé un bon feu, t'es content. Ah. Oh non. Tu dis t'es content, t'as trouvé un bon feu, tu vas pouvoir ne pas mourir et puis là, mimique et t'es mort. Non mais c'est sérieux, les mobs sont plus fair-play que des fucking joueurs. Ils viennent un par un, tranquillou, voilà. Bon, peut-être pas autant un compte. Merci du follow Stipem44. C'est pas une idée d'un random du net ça en vrai. Bah écoute, c'est possible que ce soit une idée d'un random du Stunfest. Mais c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Je jurerai pas sur la vie, la mort, tout ça que c'est une info legit, mais moi ça m'étonnerait pas en tout cas si c'était une info legit, que c'est un truc auquel ils ont vraiment pensé les devs. Ça m'étonnerait même pas. Ok. Ah, attends. Vider. Faut juste que je me trouve à un endroit qui est safe, genre là. Alors. Ça vient, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ouais, y'a les mobs là qui pop. Ouah, ils pop sur le... Oh non, pas eux, ils sont chiants pour moi. T'as vu qu'à voir un mob en stock. Oh. J'avais oublié. J'avais oublié ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Oh. Et pourquoi je vais là, moi? C'est pas là que je dois aller. Donc en gros, oh non, en gros pour la petite histoire. En plus, je sais même plus pourquoi j'avais sorti ça à l'armure d'Einstein. Je sais plus quel était le rapport.
Mais du coup, moi j'étais en mode, oh, t'as pas la main d'Einstein, tu vas mourir avec les lézards, tu vas te faire maudire et tout. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui meurs de la malédiction. T'as qu'à la maison. Non mais ça c'est moi. Je donne des infos random, je dis des trucs random et puis il se passe un truc et je suis en mode oh. Et généralement ça c'est la mort qui s'ensuit généralement. Mais il est arrivé dans des rares cas qu'il y ait une situation comme ça et j'arrive à m'en sortir de manière fort miraculeuse. C'est déjà arrivé. Et je me rappelle toujours pas comment on a cette pose de dragon. Je crois que c'est plus loin là-bas. Je sais plus. On verra. Donnez-moi mes âmes. Merci beaucoup. Plutôt à faire un ski, t'es là, t'as la bonne dame de malédiction, t'étais là, Gavrochin, aucun souci, t'as qu'à la mettre. Ah oui, oui, c'était ça. J'étais tellement persuadé de. Ah! De ma propre. Il te le mauve après. C'est ça! C'est ça! Il te le mauve après! Bon, vous pouvez vous moquer autant que vous voulez. En attendant, je continue. Voilà. Je suis même pas salé en vrai. Parce que si j'étais salé, je serais en train de râler sur la lenteur de l'ascenseur. Parce que c'est vrai qu'il est quand même vachement lent cet ascenseur. Je vois pourquoi ta jauge de vie augmente petit à petit, comment ça se fait? C'est parce que elle là, en fait, elle, ce qu'elles font, elles te réduisent ta vitalité. Du coup, t'as une barre de vie qui est toute petite comme ça. Et quand ta barre de vie revient à son état normal, ta vie, elle ne remonte pas. C'est juste ta jauge de vie maximale qui remonte. Et du coup, ta vie qui est comme ça, elle remonte pas si tu bois pas d'estu. C'est comme tu te fais spammer par une fucking sorcière crucifiée. Bah, et bah tu meurs. C'est pour ça, en fait. Voilà. Donc, il faut faire ça. Il faut faire des actions... oh mon dieu. Il veut me marquer le cul là. Tu vois ma barre de vie là? Est-ce que tu la vois ma barre de vie? Est-ce que tu la sens ma barre de vie? Tu la sens? Je vais rester là, tranquillou. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Je vais y retourner. Cette petite barre de vie. En vrai, je finis le jeu avec ça. Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Comment? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi j'ai vu des barres de vie de mobs qui ont baissé. Elle est passée où la sorcière? Crucifiée. Oh.
Entre le boss et ça, ton jeu est buggé. Bah... En vrai, elle est peut-être juste en train de patrouiller quelque part, mais je sais pas. Et on a avancé dans Wildlands. Des barres de rue, j'ai 80 gigas de footage à écrire. Mais oh mon dieu. Salut, monster du 64. YouTube FR. Il est long ton pseudo. Tant pis pour le loot. J'avance. Ben en tout cas, bon chance à faire le montage, hein, Vise. Ça c'est sûr et certain. Alors c'était quoi déjà la technique avec lui? C'était reparti en arrière aussi sec, je crois. Ah bah non, c'était pas ça. Très long même. Ouais. Calme-toi, la gargouille. Formidable, les gars. Mais pas de coup de pied. Fais-lui un blocage mâchoire, montre-lui tuer le patron. On va dire que les blocages des mâchoires, ça marche que les marteaux. Ça marche pas les pics là. On n'a pas fini le game, ça va être pire. Estimation 200 gigas. Oh mon dieu. Enfin, je dis ça après. Mon let's play total de Dark Souls 2, c'était bien 250 gigas. 28 fucking épisodes. Donc, voilà. L'univers Dark Fantasy, Dark Souls 3 me plaît. Bah l'univers Dark Fantasy, Dark Souls tout entier est bien. Après il y a des gens qui aiment pas le 2, des gens qui aiment pas le 1, des gens qui aiment pas le 3, etc, etc. Mais moi je vois ça comme un tout et c'est vachement bien. Hop. Your fight, accursed. Hop, je peux renforcer mon âme. Oh yeah. Voilà. Pretty, be careful. I don't... Toi, j'avais pas descendu en premier. Si. Qui n'aime pas le 1. Oh, ça doit exister, hein. Ça doit exister des gens qui n'aiment pas Dark Souls 1. Xanthos, on s'en fout, c'est un meurtre dégueulasse. Alors... Hop, hop, hop. Ah, ça me ferait plaisir que vous attrapez un peu le cancer visuel comme ça, en voyant mes stats et tout. Oh mon dieu! Que fait cet homme? C'est le but. T'as jamais tenté de faire tout le jeu à l'arc? Non! Et je compte pas le faire, aviateur loup. Je ne compte absolument pas faire le jeu à l'arc. Alors, tu me tentes. Après, si t'as pas les couilles. Ça n'a rien à voir avec de pas avoir les couilles, hein. Je serais parfaitement capable de le faire. Même si je galérerais ma race, ça c'est sûr et certain. Mais je pourrais le faire. C'est juste que j'ai la flemme de le faire à l'arc. Tout le temps avoir des flèches et tout. Oh,
Oh là là. C'est surtout ça en fait. J'ai la flemme. Je suis un flemmard moi. Moi je suis un gros gros flemmard dans la vie. Pour que je fasse quelque chose, faut vraiment que je... J'ai pas le choix quoi. J'ai plus d'autre choix. Comme lui, ce mob là. Ouais. Ah bah là, les dégâts. Bah tu seras pas déçu, Monster du 64, YouTube FR. Tu ne seras point déçu. C'est une valeur plus que sûre. C'est tellement rare de nos jours d'avoir des valeurs sûres dans les jeux vidéo. Je pense que Destro, si t'es pas fait le 1-2, c'est pas la misère. Bah, en fait, ce qui est bien avec les Dark Souls, c'est que techniquement, les 3 sont indépendants des 2 autres. C'est pas parce que t'as pas joué au 1 ou au 3 que le 2, tu vas rien comprendre, etc. etc. C'est, ils sont liés, mais quand même assez, assez différents et indépendants pour que tu puisses y jouer sans... Voilà. Vous m'avez compris. Hein? Et non. Allez, Atelou, tu ne me tenteras pas. Moi, de façon en général, dans les RPG, quel que soit le style, JRPG, bon, c'est vrai que JRPG, j'en joue pas. En général, les RPG, quand je les fais, je teste toujours le guerrier en premier. En premier. Merci du follow, Monster. Je t'appelle Monster, hein. Tu m'en voudras pas. Je suis toujours guerrier en premier parce que moi c'est comme ça que je jauge un RPG. C'est pas forcément le truc le plus optique qui correspond à tout le monde, c'est juste ma méthode de jauger le truc. Monster, je dois y aller à plus. Ok, ça marche. À plus. Après, quand t'as dosé un, t'auras moins de difficultés si tu les enchaînes. Normalement, hein. Hein. Bah ouais, c'est logique. Après, moi je ne suis pas concerné par ça parce que la logique. Enfin, je ne suis pas concerné par la logique de la logique. J'ai ma propre logique. Qui n'est pas forcément logique par rapport à la logique de tout le monde. C'est logique, non? Ah! FPS là. Et en vrai. Là, je viens de me rendre compte, j'ai 49 followers. Plus que 1. Et j'aurais atteint mon but. Avant le 31 décembre 2117. Ça, c'est beau. T'es au-dessus de la logique. T'es comme moi, Beyond the Beyond, mais de l'autre côté du Beyond, dans l'autre sens. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Qui veut m'écraser avec son gros cul. Ah non, eux, je les tue pas, ils sont relous. Ah non, 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 non. Quoi? Il m'a TP dans son truc, c'est un scandale! Vous avez vu ça? Mais.
C'est obscène. Non mais, hey, à Veto, je me prends tout le temps des faces comme ça. Sur le 2, à un moment, je me suis fait tuer. T'avais un mob là, qui regardait dans ce sens-là. Il a mis un coup avec sa lance dans ce sens-là. Moi, j'étais là et je décède. Genre, what the fuck? Je me pensais que t'as pas fait le niveau de carcasse. Oui, c'est vrai, je l'ai pas fait ça. Mais comme je compte pas faire la quête de machin, disons que c'est pas trop grave. Mais par contre, je vais le tuer parce qu'il mimique lui. Oh, ils sont dégueulasses ceux-là. Mais il met pas de coup de pied! Oui, bah voilà, c'est ce clip, exactement ce clip. Le clip du scandale. J'avoue avoir été scandalisé, du coup j'ai clippé. Non mais là, avouons-le. Certes, la trois quarts du temps, c'est parce que je fais nimp, mais là, c'était n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Oh non, pas lui. Je le fais tomber. Tombe. Ouais. Enfin, si je montrais le clip à certains Eric, ça me casserait les couilles. T'as vu? T'as vu? Ah non mais de toute façon lui de sortir, ouais mais de toute façon c'est parce qu'il avait pas joué en 4K, ni en 60Hz, ça serait pas arrivé sinon. Sortir un truc comme ça, qui a rien à voir. Je me rappelle de cette scène. Tombe. Ouais. Il était là, mais mon objet, mais enfoiré. Oh putain, magnifique. Ah là là, ça c'est des trucs, c'est dommage que qui a pas été clippé, même si ça a été mis dans un montage, mais ça n'a pas été clippé. Ça sert à quelque chose que j'aille là au truc. T'as vu mon tweet, comment il a interprété, sorti des arguments imaginaires que j'ai pas dit. Mais non mais de toute façon ça m'a même pas étonné, tu vois, quand j'ai lu le truc j'étais mort de rire, mais ça m'a même pas étonné. Très bon journaliste au final, ouais. Clairement. Campbell et ses normes et ses arguments du turfu. Merveilleux. C'est vrai qu'il y en a deux là. Ah! Tu? Là aussi c'était pas mal. Putain, j'ai plus de astuces pour miller, j'ai plus assez de vie, si je tombe, bah je meurs. Et du coup je tombe et je meurs. Alors qu'en vrai, il y avait ça. Et ça, c'est beau. Non. Oh, Mrenalza. De la conversation mais m'en est ouf avec la fréquence. Oh là là.
Oh mais c'est rat de merde. Décidément les rats où qu'ils sont, ils sont chers. Ah, ne me tuez pas. Quand même. Oui, m'en rappelle. Ça c'était pas mal aussi. Moi j'étais déjà en mode saoulé, un mélange de panique et de sel, de saoulance. Oh putain. C'était pas mal. Je me rappelle aussi d'une certaine mimique qui. De manière fort inattendue, tomba dans le vide. Les rats qui sont ratatinés par le géant Opti. Ben, Opti et surtout. Là pour le coup, je pense que je serais mort sinon. J'avais pas record. Moi je ne sais plus si j'avais record, je crois pas, vu que c'est pas dans les montages et puis j'ai plus de matériaux. Allez, mais un dernier petit follower, comme ça j'atteins mon goal, mon but. Ça ferait plaisir. Je pourrais être invade et de défonçage 24, mais j'ai merdé. Attends, quand tu parles me invade et me défoncer, tu parles de mon playthrough là que je suis en train de faire en stream? Ah, le petit bâtard! Il comptait vraiment faire ça? Me mettre en PLS? Ah, c'est pas beau ça, colonel. Mais ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, ça je dois bien l'avouer. Un petit... En plus je suis sûr que t'aurais mis un nom croustillant du genre... I Hunt Valerius ou un truc comme ça. Et moi j'aurais été en mode... What? Qui c'est qui me stream hack? J'avoue, ça aurait été marrant. Je dois bien l'avouer, ça aurait été marrant. Il cheat à cause des dégâts. Et toi, t'aurais été là sur le live en mode mais putain, mais comment il fait pour t'invade H24, tu là? J'ai sur ton haut, tu m'as encore rendu fou. Le mind game. Non, j'avais. Pourquoi je viens là? Je sais pas. Non, plus subtil. Ah! J'ai bien aimé la texture, comment elle a changé. En mode la texture, comment elle a changé. Voilà. Yellow Bastard en Red Bastard. Bon, en même temps, franchement, si t'avais mis Yellow Bastard, j'aurais pas tilté tout de suite. Hein. Je pense que tu m'aurais tué moult fois, mais j'aurais toujours été là en mode, mais attends, mais Yellow Bastard, pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose? Je vais renommer Monsieur Tomate. Ah!
Et Bastard Sin City. Non, mais je sais que ça vient de Sin City. Mais comme c'est quelque chose que tu sors périodiquement, on va dire. Parce qu'il lui ressemble à ça, on peut lui faire confiance. Ah, oh, mais vous faites chier. Tu veux que je te le montre? Bah ouais. En JPG. Non mais je me doute bien en JPG. En JPG, JPEG. JPEG. Omega Roxor, bonsoir, bienvenue. Comment on fait déjà pour avoir l'espadon de la mort qui tue le boss là? Il est sur son trône, hein. Et oui, comme je n'ai pas fait la quête de machin, je ne peux pas l'avoir. Je pense que ça sera ma première emote sur Twitch le jour où je pourrai avoir des emotes perso. Ce sera adéquat. Oh putain. Oh. Pas cool, 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 pas cool. Il vous invade, il vous tue. Oh. Oh. Ok. C'est la première fois que je me trouve dans cette situation. Apparemment, il n'est pas capable de passer la porte. Le gargouille. Et merde, mur. J'arrive, hein, je regarde le spin. Ce qui tue. Alors, voyons voir ça. Oh putain. Ça, faut que je le montre. Regardez ça. Regardez ça. Oh mon dieu. Oh. Avec ce mono-sourcil du mal tout vert. Oh. Magnifique. Il est passé où? Ah, il est là-bas. Cette image, c'est le personnage de Vise qui l'a fait sur le jeu, le Yellow Bastard. Il y a de quoi l'appeler comme ça. T'es dégueulasse. Oh. Oh. Servante. Ah ouais. Oh.
n'oublie pas, pas besoin de porter de casque, les ennemis meurent de rire tous. Alors t'as pas vu mon perso sur Dark Souls 2 hein. Mon perso sur Dark Souls 2 que j'avais fait quand j'avais fait le playthrough avec Vise, je peux te garantir que c'était mémorable. Surtout certaines scènes. Son cousin. Voyons voir. Il est encore mieux celui-là. Oh. Wow. Oh putain, elle a même pas d'yeux tellement il est difforme. Génial. Wow, qu'est-ce qui... Pourquoi ma... Oh, c'est super rapide là, le truc c'est pas cool. J'ai failli m'étouffer en mangeant mon jambon. Ah, salut toi. Je me suis fait élever, j'enlève mon casque. Le mec stop. En mode, hé, hey, tu l'as vu celui-là, regarde son perso. Putain. Ça l'a mis la pression. Oh là là. Oh, ce génie du mal, quoi. Le mec, il arrive à se faire des invades et... et à tuer les mecs sans les toucher. C'est pas mal. Bon. Plus de vie. Plus de vie. Allez, c'est parti. Désolé de passer aujourd'hui, sinon j'ai un con. Cauchemar. Bonsoir, Cyrès. C'est pour ça que j'ai défoncé tous mes invaders en argument de taille. Passif caché comme la puissance dans ton oreille. C'est un peu ça. Vite. Il est où? Ah, je trouve pas les espadons. Il est là. Non mais c'est pas ça! Ah! Ah! Non! Oh! Ah! Oh! Vite! J'ai pas fait la quête. J'ai fait aucune quête de PNJ en fait. Oh putain de...
shite. Avec monsieur... Ah, voyons voir Monsieur Tomate. Je vais... Je vais tourner à Ligefeu. Ok. Voyons voir Monsieur Tomate. Ah les favorites. Oh c'est quoi ça? Même moi je fais pas des trucs comme ça. Ah regardez ça. Ouais. Et le pire c'est comment on me trash talk quand je fais des persos dégueulasses sur les jeux. Mais par contre ça se fait plaise. Hein. Ah. Bon, alors, je vais arrêter la VOD ici, j'ai tué le boss. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit dans le prochain épisode. Salut.